Je pense que j'ai encore jamais vécu cette émotion où là je suis vraiment très très heureux d'avoir gagné ce titre de champion de France. C'était une compétition que j'avais vraiment envie de jouer, d'être bon dans ce tournoi, donc c'est vraiment super. La terre battue intérieure, c'est ma surface favorite. C'est là où je joue le mieux et je me sens le mieux, je peux développer le plus mon jeu. Ce match, c'est une finale. Au début, je suis quand même assez tendu. Je pense que lui aussi. Après, il arrive à prendre l'avantage sur le match et je suis très nerveux. Et au deuxième, je me dis que je vais tenter le tout pour le tout, quoi. Donc, je commence à mieux jouer, je mets ma tactique en place. Et au troisième, il y a 5-2. Il est devant tout le long. J'essaie d'être le plus calme possible pour pas essayer de ressentir encore ce stress et de penser point par point. Je chauffe 5 balles de match, donc ça c'est joué à rien quoi, et c'est vraiment top. Tout est à travailler, mais je pense que mon point fort, ça serait le décalage coup droit, où quand je suis bien ancré, ça pète bien. Et mes points à améliorer, ça serait ma finition à la volée, où je rate beaucoup, et mon pourcentage de premier service. Ouais, c'est ce que j'essaye de développer de plus en plus, que mon jeu se porte vers l'avant, et aujourd'hui, dans les deux et troisième set, ça a été le cas. J'ai commencé le tennis vers 5 ans, je dirais. Mes parents voulaient que je fasse une activité et ils ont choisi le tennis. Moi, ça m'a plu et j'ai continué. C'est un sport individuel, donc si tu gagnes, c'est grâce à toi et si tu perds, c'est ta faute, entre guillemets. Et j'aime le jeu aussi et c'est ce que j'aime. J'aimais beaucoup Rafa. Je l'aime encore beaucoup, mais il est un peu sur la fin. Et maintenant, j'aime beaucoup Kyrgios. J'aime qu'il soit un peu fou, qu'il soit pas comme les autres, entre guillemets. Il fait des choses spectaculaires et j'aime beaucoup. Je vis plus au jour le jour, mais mon rêve déjà, ça serait d'atteindre le top 100. Et mon rêve ultime, ça serait de gagner un grand chelem.